Alors moi je m'appelle Fabien Gache, je suis ouvrier et ensuite électromécanicien pendant 41 ans chez Renault. Je suis à la retraite depuis un an et j'ai été militant syndical pendant 35 ans. Et je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que ce sont des politiques qui décident pour les autres en règle générale, ou en tout cas qui mettent en œuvre des politiques qui viennent impacter le quotidien de chacun, et que donc ce qui est préférable, c'est qu'on s'en mêle un peu et que la personne en face de moi s'en mêle également, et qu'ensemble on puisse essayer de voir qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux, c'est-à-dire ce qui conviendrait le mieux au monde du travail. Notamment, on va parler de relocalisation par exemple, on va parler de réindustrialisation plus exactement, de reconnaissance des qualifications, de reconnaissance du travail, et de créer des conditions pour que les travailleurs puissent avoir la capacité et la possibilité de donner un visage, une dimension humaine à ce qu'ils font, à ce qu'ils tentent de faire. Et donc du coup, que le travail ne soit pas une souffrance, mais soit plutôt un moment d'émancipation et dans lequel où chacun peut se reconnaître. Voilà ce que le Parti communiste, voilà ce que les candidats sur la liste de Léon de Fontaine proposent de mettre en œuvre et qui reste en parfaite adéquation avec ce que le monde du travail peut attendre des politiques.